Deux sérums à l'acide hyaluronique du même groupe de cosmétiques. L'un est à 6,80 € tandis que l'autre est à 45 €. Alors, quelle est la différence et lequel vaut-il mieux choisir? Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'amuser à comparer le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary qui coûte seulement 6,80 €. Il est donc l'un des sérums hydratants les plus abordables avec celui de la marque Niode qui coûte 45 € les 30 ml, donc une différence de prix qui est quand même assez conséquente, surtout pour deux marques qui sont issues du même groupe cosmétique qui n'est autre que DCM. Alors, qu'est-ce qui justifie cette différence de prix et lequel vaut-il mieux choisir, The Ordinary ou Niode? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti! Alors, petit rappel sur le groupe DCM qui me semble important. DCM, c'est une entreprise canadienne qui regroupe plusieurs marques de produits cosmétiques, dont notamment The Ordinary, mais aussi Niode, et qui a pour slogan The Abnormal Beauty Company, qui nous donne en français le groupe de beauté anormal. Et je trouve que ça caractérise hyper bien le groupe DCM, puisque à leur création, les produits étaient extrêmement innovants, extrêmement fascinants, et du coup, anormaux. Alors bien évidemment, même si aujourd'hui DCM garde des produits qui sont complètement révolutionnaires, il y a quand même certaines marques hein, qui ont tout simplement suivi le courant, voire même complètement plagié les produits. Pour aujourd'hui, on va comparer deux sérums à l'acide hyaluronique de deux marques du groupe DCM. Le premier, c'est celui de The Ordinary qui coûte seulement 6,80 €. The Ordinary, c'est la marque à bas prix du groupe DCM face à celui de Niode qui est selon moi la marque la plus technologique, la plus innovante du groupe DCM. Et d'ailleurs son nom en dit long puisque NIOD c'est tout simplement l'acronyme de Non-Invasive Options in Dermal Science. Et son sérum à l'acide hyaluronique qui coûte 45 € les 30 ml. Donc ma question est, qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Est-ce que celui de NIOD est 7 fois plus efficace que celui de The Ordinary étant donné que son prix est 7 fois plus cher. Alors juste pour rappel, hein, l'acide hyaluronique c'est un sucre, il a donc une très forte affinité avec l'eau. C'est pour ça que bien souvent tu vas retrouver la phrase l'acide hyaluronique peut absorber jusqu'à 1000 fois son volume en eau. Donc il sert à hydrater mais aussi à diminuer les fines lignes hein, puisqu'il va avoir un effet repulpant. En fait il va attirer l'eau du derme vers l'épiderme, donc des couches profondes de la peau vers les couches supérieures et c'est ça qui va avoir un effet repulpant. Donc l'acide hyaluronique, il est pour tout le monde, quel que soit ton type de peau, quels que soient tes besoins et quel que soit ton âge. Donc maintenant, on va faire comme d'habitude, on va tout simplement comparer la liste des ingrédients des deux sérums et ensuite on va comparer les propriétés organoleptiques qui sont couleur, odeur et texture. Et pour finir, on va comparer l'efficacité des deux produits. Donc au niveau de la formulation de celui de The Ordinary, alors j'en ai déjà parlé puisqu'il y a une vidéo sur ma chaîne à son sujet. En fait, ce produit, il contient du sodium hyaluronate. Alors le sodium hyaluronate, hein, c'est ce qu'on appelle en chimie le sel de l'acide hyaluronique. En fait, en cosmétique, on utilise plus généralement du sodium hyaluronate à la place de l'acide hyaluronique, tout simplement parce que le sodium hyaluronate, c'est la forme la plus stable et donc la plus facile à formuler. Et d'après la marque, hein, derrière ce sodium hyaluronate, il y a en fait trois poids moléculaires différents d'acide hyaluronique. Et là, tu te demandes ce que je raconte avec ce poids moléculaire, sauf si tu as déjà vu mes vidéos, dans ces cas-là tu sais très bien de quoi je parle. En fait l'acide hyaluronique il existe à différents poids moléculaires, donc si tu veux c'est différentes tailles de molécules. L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire il va être composé de grosses molécules qui vont donc rester en surface de la peau, qui vont former un film à la surface de ta peau pour éviter les pertes en eau, donc pour éviter le dessèchement. Tandis que l'acide hyaluronique de moyen et de faible poids moléculaire, il est composé de plus petites molécules d'eau qui vont donc apporter une hydratation immédiate, hein, qui vont mieux pénétrer la peau et qui vont aussi améliorer l'apparence en réduisant les fines lignes. Ce qui fait que c'est très intéressant d'avoir un produit qui contient de l'acide hyaluronique à différents poids moléculaires vu qu'ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés sur la peau. D'ailleurs, pour information, il est impossible de savoir à partir de la liste des ingrédients le poids moléculaire de l'acide hyaluronique. On ne peut le savoir uniquement
uniquement si la marque le communique. Pour en revenir à notre formule, le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary, il contient également une autre forme d'acide hyaluronique qui est un acide hyaluronique chimiquement réticulé. Donc on a modifié chimiquement pour qu'il attire encore plus d'eau, qu'il hydrate en profondeur la peau et qu'il repulpe la peau sans pour autant la dessécher. Et pour finir, celui de The Ordinary contient également du panthénol qui est une provitamine B5 qui apporte également des propriétés hydratantes et apaisantes. Donc on est sur une formulation courte, hein, très minimaliste qui se veut efficace. C'est pour ça que le prix du produit est seulement de 6,80€, alors que si on compare la formule de Niod, on voit clairement qu'on n'est pas du tout sur la même simplicité, puisque en fait celui de Niod, il contient juste 15 acides hyaluroniques différents. C'est pour ça que le nom du produit s'appelle tout simplement multimolécular hyaluronique complexe. Donc bien évidemment, on retrouve notre fameux sodium hyaluronate à différents poids moléculaires qui va donc apporter une hydratation immédiate mais aussi longue durée ainsi que du confort, et on retrouve également l'acide hyaluronique chimiquement réticulé, et tout le reste c'est complètement différent. Ce sérum, il contient également de l'acide hyaluronique à très faible poids moléculaire, donc de toute petite taille d'acide hyaluronique. Donc cet acide hyaluronique, on le connaît souvent sous son nom commercial qui est Mini HA pour Mini Hyaluronique Acide, et d'après le fournisseur de cette matière première, cela lui donnerait une meilleure activité hydratante mais aussi une meilleure activité antioxydante. Il pourrait également aider la peau à réparer les dommages cellulaires et donc avoir une action anti-âge. Le petit plus, c'est que cet acide hyaluronique, il aurait une action synergique avec les autres, c'est-à-dire que combiné avec les autres formes d'acide hyaluronique, il fonctionnerait même encore mieux. Alors attention, il y a quand même un petit problème avec cet acide hyaluronique, il est un petit peu controversé puisque en fait il se pourrait bien, et je dis bien pourrait bien puisque à l'heure actuelle rien n'est sûr, mais il pourrait être pro-inflammatoire, et dans ces cas-là il faudrait faire attention pour les peaux par exemple qui souffrent de rosacée. Mais attention, la plupart des études vont dans le sens contraire et il se pourrait bien qu'il aide la peau à se réparer. Donc voilà, je préférais juste te prévenir. Ensuite, dans la formule, ce sérum, il contient une forme directe d'acide hyaluronique, donc non pas du sodium hyaluronate mais du vrai acide hyaluronique, et d'après Niod, cet acide hyaluronique, il permettrait d'aider la peau à se réparer. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, ça sert pour hydrater. Et pour finir, on remarque une autre forme d'acide hyaluronique dans la formule qui n'est autre que le sodium butyriol hyaluronate. Alors là, c'est une forme qui est très récente d'acide hyaluronique, donc encore peu utilisée, mais d'après le fournisseur de cette matière première, ça permettrait d'avoir des effets hydratants de plus longue durée et ça permettrait aussi d'améliorer l'élasticité de la peau. Donc voilà pour les différentes formes d'acide hyaluronique qu'on peut deviner face à la liste des ingrédients. Mais le problème, c'est que tout ça, ça fait pas 15 formes d'acide hyaluronique différentes. Alors elles sont où les autres formes d'acide hyaluronique? Eh bien en fait, elles se cachent tout simplement dans les autres ingrédients. Par exemple, l'extrait de levure, il contient en fait des oligomères d'acide glucuronique. Alors ne pars pas tout de suite, je vais t'expliquer c'est quoi le rapport avec l'acide hyaluronique. Alors premièrement, un oligomère, c'est tout simplement un composé formé par l'enchaînement d'un motif qu'on appelle monomère. Alors plus on enchaîne des monomères, plus on va avoir une grosse molécule, et à la fin on va se retrouver avec un polymère, comme par exemple l'acide hyaluronique qui en est un. Et le rapport avec l'acide glucuronique, il est très simple, puisque en fait l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est issue de la réaction entre l'acide glucuronique et l'acétylglucosamine, et ça tombe bien puisque la formule contient également de l'acétylglucosamine, notamment derrière le nom acétylglucosamine phosphate. Et en fait, c'est exactement pareil pour de nombreux ingrédients de la formule. Par exemple, l'exopolysaccharide, c'est donc un polysaccharide qui contiendrait aussi des oligomères d'acide glucuronique. Et c'est pareil pour l'extrait de tamarinier, pour la gomme de caroube et aussi pour l'extrait de trémella, qu'on connaît aussi sous le nom de Snow Mushroom. Et si tu connais la marque Zinkilist dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos YouTube, tu dois être familier avec ce nom puisqu'ils en ont un produit. Et pour finir, ce sérum, il est riche en acides aminés mais aussi en
composé NMF, donc en facteur naturel d'hydratation, et aussi en antioxydants. Et tu auras peut-être reconnu l'épigallocatéchine galatyl glucoside qu'on connaît tout simplement sous le nom EGCG, qui est aussi présente dans la solution à la caféine de The Ordinary, donc pour le contour des yeux, mais aussi dans le contour des yeux de la marque Niode, dont on parlera très prochainement sur ma chaîne YouTube, puisque crois-moi, il vaut clairement le coup. Donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne veux pas louper la vidéo. Et pour finir, le sérum de Niode, il contient même de l'acide polyglucuronique, hein, qui est donc un autre polysaccharide qui permet d'hydrater la peau. Bref, t'as compris, il a une super formule, très complète, très très bien pensée, avec beaucoup plus d'innovation et de technologie. C'est pour ça que Niode est beaucoup plus haut de gamme, d'où la différence de prix avec celui de The Ordinary. Et cette différence de prix, on la ressent également sur le packaging, puisque le sérum de The Ordinary, il arrive dans une boîte en carton classique blanche qui est très bien, mais qui n'est rien comparé au coffret robuste qu'offre la marque Niode. Ensuite, au niveau des propriétés organoleptiques, celui de The Ordinary est transparent, tandis que celui de Niode est légèrement jaune. Pour l'odeur, les deux ne présentent pas de parfum et ils n'ont pas d'odeur particulière. Et au niveau de la texture, le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary est assez gélifié et honnêtement, il a la texture classique d'un sérum à l'acide hyaluronique bas et moyen de gamme. En plus, il a également tendance à mousser sur la peau de temps en temps, alors que sur celui de Niode, on est sur une texture beaucoup plus liquide, beaucoup plus agréable. Et c'est ça aussi la force de ce sérum. C'est que même s'il contient beaucoup de formes d'acide hyaluronique différentes, il a une texture très liquide, non gélatineuse, et donc un sensoriel qui est beaucoup plus agréable sur la peau. Alors ensuite, au niveau de l'efficacité, les deux sérums vont hydrater la peau, les deux sérums sont très efficaces, mais personnellement je ressens plus d'hydratation et plus de confort avec celui de Niode. Mais soyons honnêtes, il y a également tout ce qui est sensoriel, tout l'univers de la marque, mais aussi le prix qui joue beaucoup sur l'émotion, donc je prends beaucoup plus de plaisir à utiliser celui de Niode. Donc en conclusion, celui de The Ordinary est bien évidemment un sérum incontournable de ta routine beauté, mais si tu en as les moyens, et uniquement si tu en as les moyens, ou alors pour un anniversaire, pour un cadeau, je te suggère grandement d'investir une seule fois dans celui de Niode pour le tester, puisque pour moi à l'heure actuelle c'est le meilleur sérum à l'acide hyaluronique sur le marché. Il a une formule extrêmement complète et extrêmement bien pensée. Et si je dis de te le prendre uniquement si tu as les moyens, c'est tout simplement parce que l'acide hyaluronique, c'est certes un ingrédient incontournable de la cosmétique, mais ce n'est pas un ingrédient qui va radicalement changer ta peau et qui va résoudre tes problèmes d'acné, tes problèmes de rides profondes, tes problèmes de taches ou alors ton manque d'éclat. En ce qui concerne son utilisation, je te conseille de l'appliquer le matin comme le soir directement après le nettoyage sur une peau humidifié auparavant par une lotion tonique ou alors par une brume, et ensuite tu poursuis par les autres traitements de ta routine, tes autres sérums, ta crème et ton huile si tu en utilises une. Et si tu vis dans un endroit très très humide, hein, comme par exemple en Asie, tu peux très bien utiliser ce sérum tout seul. Voilà, j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si tu souhaites que je parle davantage des produits de la marque Niode, fais-le moi savoir en commentaire et également en mettant un j'aime à cette vidéo. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao !